L'aventure Une vie d'escargot continue, et c'est incroyable car vous êtes 2000 à avoir rejoint cette chaîne et à soutenir cette démarche de ralentir en conscience pour mieux vivre. Pour fêter cela, je vous ai demandé ce qui vous a amené à la slow life, à ralentir, à prendre le temps. Avec vos réponses, j'ai écrit ce texte. Ce sont vos mots, et je vous remercie infiniment pour la beauté de vos partages. Chico, il dort profondément. Tu dors profondément et tu m'as entendu, mais tu dis que tu préfères avoir des caresses dans ton con. Hein, Chico ? Viens mon chien. Allez, viens. Ouais. Tu t'appelles Chico, toi? Ah, mais oui, parce que t'aimes la brosse aussi. Oui. Oui, je sais que t'as vu la brosse. Viens mon chien. Oui, viens mon Chico. Tu préfères faire ça ici? Ok, on fait ça là. Il va y avoir un jaloux. Je sais qu'il va y avoir un jaloux. Est-ce qu'on peut finir le tour de Chico? Tu veux lui faire sa toilette aussi? Alors, pourquoi ralentir? Ralentir pour calmer les angoisses et les ruminations. Car ralentir permet de se connecter à la nature et aussi de rencontrer sa solitude pour commencer à l'aimer. Ralentir, parce que l'on dit tout le temps « je n'ai pas le temps », avec finalement le sentiment de passer à côté de sa vie, au lieu de savourer l'instant présent. On remplit notre vie par peur de ne pas en profiter à fond. Et finalement, on stresse, on tombe en dépression, on fait un burn-out, ou la maladie nous rattrape. Parce que le corps n'est peut-être pas une machine. Parce que le corps est comme une plante qui a son rythme et ses saisons dont il faut prendre soin.
On court partout pour gagner du temps, pour optimiser chaque minute que nous avons. Et finalement, le temps nous échappe. Car plus on est occupé, plus il passe vite. Il court à la même vitesse que nous. La notion de rentabilité du temps est angoissante. Cette petite voix qui dit qu'il faudrait vivre sa vie à fond, sinon on rate quelque chose. Alors que les possibilités sont infinies et que c'est impossible. On s'y perd soi-même dans ce tourbillon. Si l'on va trop vite, on ne peut pas s'émerveiller. On passe à côté de la beauté du monde et de la vie. Alors, ralentir pour écouter. Soi, la nature, ressentir, être plus présent, revenir à sa vraie nature qu'on avait quittée pour rentrer dans le moule d'une société accélérée, comme si l'on portait des vêtements trop grands qui nous avaient fait trébucher. Se choisir soi comme un acte d'amour absolu pour ne pas dépérir, pour se sauver de ce monde où il faut toujours aller plus vite, et pourquoi pas retrouver sa souveraineté. Accepter son propre rythme pour sourire et prendre du plaisir, car en réalité, il n'y a rien d'autre à vivre que le moment présent. En fait, ralentir pour vivre sa vie pleinement et simplement. Je vous remercie d'être aussi nombreux à partager l'amour de cette magnifique lenteur.
l'amour d'un rythme qui se cale sur la respiration de la terre, l'amour d'un temps qui nous permet de retrouver qui l'on est et de redevenir un peu plus humain aussi. Et à bientôt les escargots.